Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'assaut des héros, deck de structure. Petit deck que j'ai payé 13,50€. Donc c'est parti pour le déballage. J'espère que ce deck vous fera plaisir. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. J'ai trouvé hier dans un petit magasin de cartes. Ils vendaient du cartes et des maquettes, etc. Magasin à Lille. Et je fais oh, ce deck là je l'ai pas. Donc je suis parti choper. J'ai fait un peu le tour de tous les magasins. Oh, la première carte, je kiffe. Alors, on va déjà voir ce qu'on a dans ce petit deck. Alors, carte promo, l'assaut des héros. Donc ça, c'est le petit livret comment jouer avec ce deck. Les fusions qu'on peut faire avec ce héros. Là, vous connaissez. On va passer le petit livret de règles. S'il y en a qui n'ont pas de livret de règles, pourquoi pas en passer, hein. Il y en a qui veulent connaître les règles. Possible, je dois en avoir une petite vingtaine, donc il n'y a pas de problème. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est le petit tapis. Alors, ça va décaler. Hop. Hop là. Donc sympa, j'aime beaucoup. Ça et ce qui nous intéresse vraiment, c'est les petites cartes. Donc ouverture facile, hop hop hop. Bon d'accord, voilà l'ouverture facile. Qu'est-ce qui nous fait? Qu'est-ce qui nous fait? J'ai pas envie de griffer la carte. Voilà, c'est bon. Donc hop, on va se rapprocher un petit peu. Chaos héros du contraste, qui est magnifique et que je n'ai pas. En plus, j'adore les cartes fusion. Ces cartes guerrier fusion effet. Héros masqué, magnifique aussi, que je n'ai pas. Oh, j'adore ces cartes-là. Vent divin héros masqué. Loi des ténèbres héros masqués. J'ai absolument aucune de ces cartes. Là, c'est kiffant. Loi des ténèbres héros masqués. Alors, brume de l'ombre héros élémentaire. On s'approche un petit peu. Océan héros élémentaire. Nouveau héros élémentaire. Ah, je kiffe vraiment ce deck. Je crois que je n'ai aucune de ces cartes. Voltec héros élémentaire. Chaleur héros élémentaire. Avion. Néo-héros élémentaire. D'accord, c'est que des héros élémentaires. Ah d'accord, et donc à tout. Ok. Nouveau héros élémentaire, élémentaire. Ouais. Nouveau néo-héros élémentaire. Tranchant héros élémentaire. Ah, j'ai aucune de ces cartes, c'est vraiment super. Ce sera bien le premier deck de structure que j'aurai où je vais pouvoir en mettre pas mal dans ma collection. Cœur farouche. Elle est vraiment belle cette carte. J'aime bien. Alors, d'accord. Top géant. Ange de loyauté, bon, ça c'est du déjà vu. Soldat de carte, d'accord. Curibo ailé, je crois que je l'ai pas ce Curibo là. Vraiment magnifique, j'aime bien, j'aime beaucoup. Prêtre invocateur, super belle aussi. Homoculus, lettre alchimiste. On passe aux cartes magiques. Changement du masque 2. Changement de forme. Changement de masque. Encore un petit changement de masque. Une petite polarisation. Une fusion miraculeuse. Une onde de fusion parallèle. Héros vivant. D'accord. Si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, payez la moitié de vos levels. Invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 4. Depuis votre deck, d'accord. Masque du héros, je l'ai pas celle-là, elle est vraiment belle. Hache, cœur passionné, je n'ai pas du tout non plus. Ça, ce deck-là, il est magnifique. Il y a combien? Il doit avoir 48 cartes, c'est ça? Non, je me trompe de deck. Je sais pas du tout. 40 cartes communes, une carte ultra rare, 4 cartes super rares. Ouais, donc on a 45 cartes quoi.
C'est pas mal. Sur les 45, je dois en avoir 30 que j'ai pas. Eux appellent des maîtresses. Ajoutez un monstre héros élémentaire depuis votre deck à votre main. Ok. R. C'est pas mal. Je connaissais pas du tout ces cartes magiques avec des lettres comme ça en plein milieu. Au renfort de l'armée. Ça, c'est du déjà vu. Le guerrier incarné, pareil. Peau de dualité. Hop, on passe aux cartes piège. Signal du héros. Explosion héroïque. Appel de la trentée. Trappe sans fond. Et celle-là, je l'ai pas. Le trappe sans fond, je l'ai pas. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 d'attaque sur ce monstre. D'accord. C'est vraiment génial ça. C'est une carte pas mal. Avant, elle était jouée. Maintenant, je ne sais plus. J'ai déjà vu dans pas mal de decks à l'époque. Je sais pas si elle est bannie ou pas, je sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires. Dispositif d'évacuation, hurlement de garde. Et la dernière, grande tournade héros élémentaire. Que j'adore. Donc franchement, ce deck, bah moi en tant que collectionneur, je vais dire je le recommande, mais après ça dépend ce que vous faites. Mais j'aime vraiment beaucoup ce deck. Ça c'est les cartes là, que j'adore. Après, j'ai beaucoup de cartes communes que j'ai pas. Donc, c'est vraiment super. Donc, voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à repartager ou à liker si vous kiffez mon petit travail. Et on se dit à demain, sûrement, pour du booster ou pour le super deck de démarrage. Je vais pour la victoire qui est là dans le fond. Voilà, salut à tous et à la prochaine. Ciao.